Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Clash Royale. Et aujourd'hui, je vais donner quelques astuces pour monter à 3800 trophées, donc en arène légendaire. Et grâce à ça, j'ai pu emprunter le compte de mon ami Florent. Donc merci à toi si tu regardes cette vidéo. Alors, on va essayer de le monter à 3800 justement en écoutant mes petits conseils ici. Donc premier conseil, vous devriez toujours utiliser les troupes les plus OP pour créer un bon deck bien entouré, vraiment well-rounded, pour battre tous les adversaires possibles. Donc lui, il utilise mon deck en ce moment. C'est juste qu'à la place d'avoir la princesse, parce qu'il ne l'a pas, il utilise le gobelin Sarbacane, donc c'est vraiment parfait, parce que vous pouvez voir son vue de gobelin, il est niveau 6. Et par contre, vous devriez jamais utiliser les cartes justement moins OP, par exemple, un deck golem avec un deck golem niveau 3, bon, vous devriez pas utiliser ça si... Une carte, si la carte n'est pas assez OP, vous devriez toujours vous concentrer sur les cartes les plus OP. Donc voilà, ça c'est un vraiment bon conseil que vous devriez toutes suivre et c'est ça. Donc commençons dans la première game pour voir ce que ça donne contre Afif blablabla, du clan Xip. Ok, donc là pour commencer, on a le on n'aura pas le fut de gobelin, mais on a le gobelin Sarbacane. Donc je vais juste le poser ici pour voir, juste mettre un peu de pression. Vous savez que j'aime ça faire de la pression. Ok, parfait. Donc, vous voyez, on a déjà pu y rater. Oh, what? C'est quoi ça? Okay, des barbares. Donc, j'ai la horde de gargouille pour ça. Et il zappe mon fût de gobelin, ce qui est totalement correct. Ok, donc là, on va faire. Vu qu'il a posé ça, je vais être vraiment agressif parce que je veux pas qu'il puisse build up un bon push. Donc, on va essayer de briser ici sa petite cabane de bord. Pas pour cabane de bord. Sa petite cabane de gobelin à Sarbacane. Non, gobelin à lance. Désolé. Ok, donc là, je vais mettre mon petit gang de gobelin ici. Et c'est sûr qu'il va devoir répondre ça, je pense, avec son sorcier de glace. Et voilà, mais malheureusement pour lui, il a mis un vraiment mauvais placement. Donc, on va pouvoir prendre, gratter énormément sur sa tour, quand même. Très significatif. Alors là, je vais encore poser mon gobelin à Sarbacane pour défendre son petit sorcier. Et là, il joue, un baby dragon. Donc, ok, donc là il a pré-shot le poison, ce qui est quand même bon de sa part. Ce qui m'oblige à éviter parce que j'aurais mis ma horde de gargouille, mais bon, c'est correct. Au moins on a pu gratter un peu sur sa tour aussi. Et là, vu qu'il met sa princesse comme ça, je vais pas me gêner pour la détruire avec mon mineur et prendre sa tour en même temps. Donc c'est... voilà, vraiment nice pour nous. Et là, je vais mettre mon petit gobelin à sa bacane juste pour commencer à gratter sur sa tour de gauche. Faut toujours mettre de la pression, les gars, c'est très important, sinon votre adversaire va toujours faire un gros push de la mort, puis vous allez peut-être juste pas être capable de le défendre. Donc, encore une fois, je mets encore de la pression, et j'attends ici, je vais tuer sa cabane de barbare, de gobelin à lance, comme ça, avec le mineur. Oh, il y avait le mousquetaire, j'avais pas vu ça. Parfait, c'est la première fois qu'il la joue dans la game, je pense. Et là, je vais pas me gêner à mettre ma TDE, parce qu'on est en train de gagner. Donc, voilà, c'est pour ça. Et là, ok, il met encore son poison en pré-shot, on pourrait dire ça comme ça. Mais là, j'ai été très intelligent, j'ai espacé mes troupes, c'est toujours ça que vous devez faire. Et pour tuer son petit mousquetaire ici, sa petite mousquetaire en fait, je vais poser ça ici et faire un petit push en counter comme ça. Et on devrait prendre la tour ou vraiment l'achever, ben pas l'achever, mais la rendre vraiment, vraiment low. Et... exactement, c'est exactement ce qu'on fait. Il lui reste juste 500 sur la tour, c'est parfait pour nous. Et là, je vais jouer ma petite horde de gargouille ici. À moins qu'il y ait quelque chose de vraiment étonnant. On devrait avoir la game dans la poche, les gars. Donc là encore, on met de la pression, mais je sais ça a déjà fini. Et voilà, c'est 1-0 pour nous. Oui, c'est 1-0 pour nous. Vous avez pu voir que j'ai été vraiment patient et quand même en même temps très agressif. Donc allons-y dans la deuxième game pour voir si on peut passer les 3800 pour mon ami Florent. Let's go, on est contre KMM du clan Request Donate. Donc, good luck. Pour commencer encore une fois, j'ai mon gobelin à Sarbacane que je vais poser ici pour question de gratter un peu. Donc là, il décide de mettre ça, j'essaie de mettre soit la horde de gargouille ou le zap. Ah, ok, donc j'aurais peut-être dû attendre un petit peu. J'espère qu'il n'y a pas de zap, s'il y a un zap, je suis mort. Mais malheureusement, pour lui, il n'y a pas de zap, donc c'est parfait. Et là, on aura un petit counter push, si on peut appeler ça comme ça. Ok. Donc là, j'essaie de briser sa fournaise, en même temps, gratter sur sa tour. Mais j'espère qu'il n'y a pas de zap.
Ou de bûche. Oh yes, parfait, man. Yes, yes, yes. On a gratté énormément sur la tour. Donc là, normalement, on devrait gagner juste si on fait une bonne défense. Et si on joue intelligemment, bien sûr. Mais en même temps, il faut être encore une fois très agressif de l'autre côté aussi. Pour l'empêcher de faire un gros push de la mort. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. Je vais mettre mon gang de gobelins. Ouais, je pense que c'était le bon play à faire. Est-ce qu'il l'aurait abandonné déjà? Ah non, il n'a pas déjà abandonné. Come on. On va attendre. Ok, on va attendre. Je prends la tour. On va prendre 10 secondes. S'il fait rien, ben on va prendre la tour là, mais je pense qu'il a abandonné donc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc je suis désolé les gars pour cette attente, mais bon, on va devoir prendre sa tour comme ça, préparer notre mineur. Oh, une game facile malheureusement pour atteindre les 3800 trophées pour mon ami Florent. Donc au moins c'est cool pour lui. C'est cool pour lui. C'est tout ce que j'ai à dire. Ok, donc merci à toi. Good game. Je sais pas si perdu ta connexion ou si juste parti ou. En tout cas, je sais pas. Donc voilà les gars, on a atteint 3810 trophées pour mon ami Florent. Et ce n'est pas fini pour cette vidéo en fait. Je vais aller dans la dernière vidéo juste pour voir si on peut atteindre encore plus haut sur ça. Ou plus haut que ça. Et lui, il est dans un clan qui s'appelle 808 Slide Bait. Donc bait, je sais pas s'il y aurait un tech zap bait, mais en tout cas, on verra. Et il met le chevalier de l'autre côté. Lui, il y a une bûche par contre. Donc là, je sais pas si... Bon, je vais jouer vraiment prudemment. Oh, une sorcière. Donc là, je vais contre-attaquer de l'autre côté vraiment agressivement. Donc là, c'est un des match-ups que la princesse aurait été mieux. Mais c'est pas grave, vu qu'il l'a pas, ça causera pas plus de problèmes que ça. Et là, on a réussi à gratter un peu sur sa tour. Mais lui aussi, il a fait pareil. Par contre, nous, on est juste niveau 10, tandis que lui, niveau 11. Donc, on a fait plus de dégâts que lui. C'est très logique comme ça. Et on a vu qu'il y avait une bûche. Donc, je vais essayer de le tromper ici, puis faire un gros combo risky. Oh, le géant royal, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça dans mon arène à moi. Mais c'est pas grave, let's go les gars, on va prendre sa tour. Et j'espère que... Notre horde de gargouille va pouvoir tuer son géant royal en même temps, ça serait vraiment génial. Mais let's go les gars. Ok, on va zapper là. Parfait, 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 parfait. Donc encore une fois, on devrait juste... faut juste vraiment bien défendre, mettre la pression de l'autre côté et ça devrait être GG les gars. Ok, donc lui par contre il joue une double sorcière, c'est quand même un deck bizarre que j'avais... qu'on ne voit pas souvent, en tout cas pas où je suis. Et là, il faudra vraiment faire attention. Je vais tanker avec mon mineur comme ça. Oh, what? J'espère... Oh non, j'aimerais vraiment ça avoir mon zap. Mais ok, on s'en sort pas si pire. Donc lui, il a vraiment été agressif. Mais remarquez les gars, il a joué sa bûche. Donc ça ouvre plein de portes pour jouer notre fût de gobelin. Alors c'est parfait. Je vais juste attendre d'avoir un peu plus d'élixir pour au cas où s'il fait une attaque surprise ou quelque chose. Oh oui, voilà. Voilà, voilà, c'est notre chance de faire quelque chose de bien. Son zap est niveau 12 les gars. Ok, c'est correct. là, je suis pas mal sûr qu'il va vraiment fort. Je sais pas si on devrait défendre ou... oui, on devrait défendre. J'allais dire si on devrait contre-attaquer. Allez, 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 allez. Allez, tuez-le avant qu'il nous tue. Yes, parfait, parfait, parfait. Donc là, le géant royal devrait pas prendre le tour. Parfait, parfait. Il reste juste 30 secondes. Il faut vraiment faire une très, très, très bonne défense. Mais par contre, pour lui, heureusement, il n'a pas encore vu notre TDE, parce qu'on ne l'a pas encore utilisé. Donc là, ça va l'étonner ici, je suis pas mal sûr. Et voilà. Parfait. Placement parfait pour la TDE. Et là, il y a la sorcière qui ne m'inquiète pas, parce qu'on va mettre l'air de gargouille dessus. Et ça devrait être GG. Il a joué sa petite bûche ici. Donc moi je vais être vraiment agressif. Oh, par contre il y a la sorcière de nuit ici qu'on devrait juste tuer vraiment facilement ici. Et voilà, c'est GG les gars. C'était vraiment des bonnes games contre des bons adversaires quand même. Donc voilà, on a pu atteindre les 3800 trophées avec moi sur le compte de mon ami Florent. Donc encore une fois, merci à toi mon gars. Et je vous remets le deck que j'ai utilisé. Dans le fond, c'est juste mon deck principal en remplaçant le Goblin Sarbacane pour la princesse. Je vous rappelle que
pour jouer en ladder, vous devrez toujours utiliser les cartes qui sont le plus OP dans votre compte. C'est la meilleure technique pour monter en trophée. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!